Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la deuxième de l'année, voilà, avec Fifi, comme d'habitude. Bonjour. Bonjour les abonnés de maman. Alors, petite vidéo, pas très longue. On reprend en douceur. Juste pour... Alors, je vais essayer. Je dis bien essayer, parce que vous savez que moi, je ne prépare jamais mes vidéos. C'est ma marque de fabrique à moi. Hein. Je vais essayer une fois tous les trimestres de vous faire une vidéo en vous disant à peu près les projets que je vais faire chaque trimestre. Comme ça, vous saurez à peu près les vidéos que je ferai. En partie les plus grosses vidéos que je ferai chaque trimestre. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, ce premier trimestre de la nouvelle année, je vais essayer. Alors, il va y avoir d'abord, je vais d'abord finir le DP là, que j'ai plus qu'une vidéo à faire dessus. Et ensuite, alors je vais vous mettre des photos à chaque fois. Hein. Attaquer le DP que ma copine Sylvie m'avait offert il y a quelques mois. Je sais même plus ça fait quand. Je vous avais présenté ce DP en vidéo. Je vais essayer de retrouver la vidéo. Je vous mets, je vais la retrouver, hein, mais c'est parce qu'il faut que je cherche. Dans toutes mes vidéos, je vous remettrai le lien. Je vais attaquer ce DP. Il faut que je termine. Alors, on m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup réclamé du scrap. Donc, je vais reprendre le scrap. Première chose que je vais faire en scrap, je vais terminer l'album. Pareil. Alors, est-ce que je l'ai là? J'aurais dû préparer, hein, mais je vous le dis, je ne prépare jamais rien. Hop, 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 il est là. Voilà. Alors. Non. Alors, ça, c'est les papiers. Mais l'album en lui-même, il n'est pas là. Bon, enfin, ça fait rien. Je vous montre déjà une partie des papiers. Allez. Voyez ces papiers-là. Voilà. J'avais commencé l'album. On va le terminer. Hein. Il n'y a pas. Il faut le finir. Ça fait déjà un bail hein, que je l'ai commencé. Donc, ça, on va le finir. Hop, on va le mettre là-bas, ça. Ça, c'est prévu d'être fini et de scraper. Les photos d'école de mes petits-enfants, puisque là on a changé les calendriers. Je vais scraper les photos d'école, mais de toute façon, même là-dessus, je suis en retard. Parce que j'ai les photos d'école de l'année d'avant, je ne les ai pas encore scrapées. Enfin, celle de. Non, alors j'ai celle des calendriers et les photos d'école que l'on a, vous savez, quand ils font les photos de classe, tout ça. Donc, j'ai ça à scraper. J'avais aussi l'album de mes bébêtes. Alors là, je suis complètement en retard. J'avais fait qui dedans? Tango, je crois. Attendez, je regarde. Est-ce que c'est lui, ici? Même pas, je sais même pas où il est. Tiens, oh mince, je sais même pas où il est l'album. Il va falloir que je regarde. Je sais même plus où j'ai rangé l'album. Je l'ai rangé quelque part pour continuer de me donner des coups de boule. Bon, enfin, je vous le montrerai. Pareil, j'ai fait une vidéo. Je vais essayer de vous remettre les vidéos.
Donc, j'ai continué l'album de mes bébêtes, de mes Fifi, Pacha, Jerry, les anciens toutous, mettre tout ça dedans. Ça m'inquiète, cet album. Où est-ce que je l'ai mis? Oh, va falloir que je cherche. Alors, ça, c'est la partie scrap. Voilà. Ensuite, partie tricot. Là, j'ai presque terminé le tricot à chouchou. Alors, hier, j'ai fini le montage. Enfin, j'ai presque terminé le montage puisqu'il me reste le col à tricoter. J'ai un peu galéré au montage. Je sais pas, j'ai dû me tromper sur une ligne ou deux et j'ai un peu galéré sur le montage. Mais bon, une fois mis sur lui, ça se verra plus. Donc il me reste le col à tricoter. Donc là encore aujourd'hui ou demain, il sera terminé. Donc je vous ferai une petite vidéo pour vous le présenter avec Chouchou en mannequin. Il va adorer. Donc en tricot, bon, quelques vidéos tuto hein, sur du tricot. Et donc je vais vous faire genre faire un turban, faire une pochette, faire des choses comme ça, des choses faciles. Faire mon pull à moi que je n'ai pas continué, que j'ai pas. Là pour l'instant je l'avais abandonné parce que je voulais complètement finir le pull à chouchou. Donc j'ai mon pull à moi et un gilet pour ma petite fille. Voilà. En broderie. Alors, continuer les tutos de la broderie estampée. Et ensuite, il faut que je vous fais les tutos de la broderie ruban. Donc ça, vous, je le prépare. Hein, là, dès que je suis prête, je vous fais. Hein. Et puis broderie, vous montre faire une présentation de mon matériel. Vous vouliez voir mes ciseaux. Bon, la collection n'est pas très grande, hein, mais bon, vous vouliez les voir. Donc, je vais vous le faire en même temps que en vous montrant mon matériel. Ensuite, il y aura une vidéo épisode, moi j'appelle ça. Ce sera pour le sale broderie. Donc ça, je vais vous faire plusieurs vidéos, puisque je vous avais parlé que j'allais faire un sale en broderie, c'est-à-dire on va être plusieurs à broder exactement la même broderie, donc une broderie, une de mes créations personnelles. Et donc vous aurez une vidéo à chaque fois où je vous montrerai la mienne, ma partie à moi, et les étapes des filles qui se sont inscrites. Donc, je vous montrerai leur broderie à elles. Et la première vidéo là-dessus, ça vous préviendra aussi pour si vous voulez vous y inscrire. Voilà. Donc, j'expliquerai comment on fait. Ensuite, bon, ça, ce sera toutes les grosses vidéos qui sont prévues, mais que je vais préparer. Et ensuite, il y aura les vidéos concours, comme d'habitude. Vidéo revue de presse, qui est nouveau maintenant, puisque je vous en avais eu une déjà avant les fêtes. Et les revues haul ou unboxing, quand je fais des partenariats. Donc, ça, c'est comme d'habitude. Là, d'ailleurs, j'attends deux partenariats. Donc, vous devriez bientôt recevoir de nouvelles vidéos là-dessus. Donc voilà, les grosses lignes pour ce premier trimestre. Il y a déjà du boulot. Bon, entre deux, peut-être qu'il y aura d'autres choses, je ne sais pas. On verra. Comme d'habitude, si vous avez des idées, si vous avez des demandes de vidéos, marquez-les-moi. J'essaye. Bon, je sais que vous m'avez déjà demandé des vidéos et que je n'ai pas encore faites. Moi, je les marque hein, sur un cahier et puis dès que je peux les faire, bon, je le ferai. Là, je vous dis, je vais reprendre le scrap, donc ça va aller.
Mais bon, si vous voulez d'autres vidéos, notez-le en commentaire. Comme ça, moi, je le remarque sur mon petit cahier. Et puis, je vois pour organiser ça. Si je peux le faire, bien sûr. Donc voilà, j'espère que ce petit programme du premier trimestre vous plaît. Hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc, il y en a un peu pour tout le monde. Hein. Il y aura du DP, il y aura du scrap, il y aura du tricot, il y aura de la broderie, des concours, des hauls. Donc, normalement, j'en fais un peu pour tout le monde. Et du coloriage. J'ai oublié le coloriage, bien sûr, il y en aura. Bon, je sais que ça plaît moins sur ma chaîne. Je le vois, hein, parce qu'il y a moins de commentaires. Mais il y aura quand même du coloriage. Voilà. J'avais oublié le coloriage. Mais sinon, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et oui, je me rabâche. Je sais, je vieillis, hein, je rabâche, je répète toujours la même chose, mais je m'en fous. Je ne veux pas changer maintenant. Hein. Ce n'est pas 58 ans que je vais commencer à changer. Sinon, quoi de neuf? Un fifi? Qu'est-ce qu'on ferait bien de nouveau? Je sais pas. Une vidéo fifille. Là, dans 2 jours, on est quoi? On est le 2, 3, 4, 5. Donc, dans 3 jours, c'est l'anniversaire du copain fifille. C'est l'anniversaire à Pacha. Ou c'est l'anniversaire à Pacha. Donc, on mettra une petite photo dans la communauté, hein, de Pacha, qui est son anniversaire. 3 ans. Fifi, c'est pas maintenant, hein? Non, c'est quand toi déjà? Je sais plus. Faut que je regarde, c'est le carnet. Oui, Fifi, je sais plus. C'est au mois de septembre, je crois. Je sais plus. Ah, ma mémère. Oh, elle est énervée ce matin, vous voyez? Elle est énervée, elle veut des câlins, des câlins, des câlins. Bon, allez. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. J'attends vos commentaires, vos suggestions, tout. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses cette année. Et pour celles qui ne sont pas venues depuis quelques jours, je vous souhaite encore à tous une excellente année. Et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Bisous, bisous.